Salut les amis et bienvenue dans Tone Factory, aujourd'hui dans ce magnifique parc de Yosemite en Californie. On va bosser aujourd'hui une chanson de Bob Dylan, et oui c'est pas Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Et c'est une superbe chanson qui me tient vraiment à cœur, ça fait très très longtemps que je la joue en solo, avec mon groupe de reprises également. Donc on va la travailler tout d'abord en la et pas en si, comme monsieur Jimi Hendrix. On va la faire en la comme Bob Dylan, comme l'origine donc. En la mineur. Alors je vais vous montrer tout d'abord les trois accords de cette chanson, très très simple. Voilà, alors trois accords vraiment basiques, un La mineur, standard, un Sol majeur et un Fa majeur. Alors le Fa majeur, je le fais ici avec le pouce, vous pouvez le faire également en barré, hein, ça marche très bien. Le seul truc qu'on va voir par la suite de la vidéo, c'est donner une petite couleur à ce morceau sympa et avec deux, trois petites choses très simples, des cordes qui résonnent, des cordes à vide, on peut donner facilement une couleur originale et pas rester justement sur ce barré un peu basique, même s'il sonne très bien. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Notre La mineur, on va déjà le laisser comme il est pour l'instant. Notre Sol, ici, on peut également le faire comme ça. Sol majeur normal. Avec la corde de mi ici sur la troisième frette. Et puis on garde cette corde de mi, pourquoi pas, ici sur la troisième frette, en faisant le Fa. Donc moi c'est pour ça que je le fais avec le pouce. En fait, le pouce vient m'aider à tout simplement à jouer avec les doigts en dessous les cordes aiguës que je veux jouer ou pas jouer, c'est-à-dire les cordes que je veux pincer ou pas. Voilà, ça donne des couleurs un petit peu étranges comme ça quand on le fait l'accord tout seul. Mais quand on le fait dans l'enchaînement d'accords, c'est assez sympa, je vous montre ça tout de suite. Donc ça c'est standard, et quand on l'ouvre, ça fait comme ça. Deuxième manière que j'ai de faire ces accords, c'est en laissant la corde demi résonner sur le La et sur le Fa. C'est pour ça aussi que j'utilise cette façon de jouer, que je fais mon Fa avec mon pouce ici, c'est-à-dire mon pouce qui vient sur la première case. Ensuite, mon annulaire qui vient taper ces deux cordes, la corde de La et la corde de Ré en troisième case. Voilà, mon majeur sur la corde de Sol en deuxième case. Et puis mon index sur la corde de Si en première case. Et je laisse mon Mi résonnant. Donc ça donne ça. Tout simplement. Et par contre, mon Sol, c'est-à-dire l'accord qui est entre le La et le Fa, le deuxième accord, je viens de jouer normalement. Comme ça, ça alterne un petit peu la couleur, ça évite d'avoir le bourdon de la... sans arrêt, parce que ça peut être au bout d'un moment un petit peu rébarbatif. Donc ça donne ça. Voilà, alors ces accords qui résonnent comme ça, ça donne de l'ampleur à la guitare, et quand on chante en même temps, en solo, c'est-à-dire juste avec sa guitare et sa voix, eh ben, ça aide, puisque l'instrument qui est un peu maigre derrière, ça fait vide, et là,
le fait de faire des accords très ouverts, et bah ça vient remplir l'espace comme ça, même avec une toute petite guitare comme notre petite Lag aujourd'hui, qui est pas une guitare très résonante, très médium, plus fait pour le blues à l'origine, et bah on arrive à prendre de l'espace sans problème. Et justement, à rendre l'instrument résonant. Peu importe la guitare que vous avez, vous pouvez jouer n'importe quoi. Si vous jouez des accords qui sont trop secs, trop fermés, ça prend pas d'espace. Voilà, le son reste fermé. Donc si vous voulez ouvrir tout ça, les cordes résonantes, comme le mi qu'on a vu, et les accords ouverts, c'est l'idéal, forcément. Voilà, alors ces accords en open, je les utilise quand je chante, tout simplement, pour prendre de l'espace, encore une fois. Et puis, entre les couplets, entre ces trois couplets, je viens jouer des barrés, tout simplement. Un petit peu plus sec pour justement trancher avec la rythmique que j'utilise sur le couplet. On voit ça ensemble tout de suite. Alors, ces trois accords sont exactement les mêmes, le La mineur, que je viens faire ici en barré, ensuite le Sol majeur, c'est comme un barré, vous pouvez le faire aussi en barré, ça marche des deux manières, c'est-à-dire avec le pouce, comme tout à l'heure, le pouce sur l'accord de Mi, ou la manière standard de faire son barré, comme ceci, et le Fa, encore une fois, pareil en barré, cette fois-ci on évite donc les cordes qui résonnent, on essaye de faire une rythmique plus tranchante. En ce qui concerne mon La, je ne vais pas le faire exactement comme un barré standard. Je vais essayer de le faire comme ça. Je vais mettre mon majeur en cinquième case ici. Donc sur ma corde de Mi, hein, pour obtenir ce La. Je vais chinter, je vais muter ma corde de La en dessous. En attaquant ma corde en fait un peu à plat avec mon doigt. Et ensuite, mon annulaire ici vient barrer la corde de Ré sur la même case. La corde de Sol, la corde de Si. Et la corde de Mi, et on obtient un accord qui sonne comme ça. Un peu plus sec que quand on vient faire le barré complet en fait. Qui est plus riche, mais du coup, c'est pas l'effet qu'on cherche. Ici, on cherche à avoir un effet un peu sec. Je vous montre ce que ça donne avec ma rythmique, puisqu'on va voir ça avec le poignet droit, il y a un petit peu de boulot aussi. En fait, j'essaye d'imiter un petit peu ce que ferait la batterie sur ce morceau et faire en faisant un rythme un petit peu syncopé. C'est une rythmique que je varie de temps en temps. C'est assez difficile à expliquer, je la fais un petit peu comme ça vient. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de bien marquer les temps. Surtout pour lancer la rythmique, c'est-à-dire sur l'accord de La, le premier accord. Là, c'est très important de balancer le poignet et d'avoir une bonne attaque. Et évidemment, de muter les cordes avec la main gauche, en relevant en fait complètement ses doigts des cordes, juste en les posant dessus comme une petite sourdine. Voilà, ça marche tout seul. Et en attaquant, encore une fois, assez fort, avec un médiator pas trop dur, ça c'est important aussi. Voilà, donc ça, je viens le faire en fait entre mes couplets. Ensuite, on repart en fait tout simplement sur notre rythmique standard en open, en La. Alors voilà pour ce morceau All Along the Watchtower de Monsieur Bob Dylan. On a vu ça dans les grandes lignes. Reste un petit bout de solo que j'ai mis à la place du solo d'harmonica. Là, c'est vraiment comme vous voulez le faire. Encore une fois, essayez de garder cet esprit quand vous faites le solo, surtout quand vous jouez tout seul, de séparer la rythmique un peu ouverte du couplet et la rythmique un peu sèche, un peu plus droite, des entre-couplets, on va appeler ça comme ça, des petits bouts de solo qu'il y a entre les couplets. C'est très important pour donner du relief à votre morceau, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous a plu sur All Along the Watchtower de Bob Dylan.
dans ce magnifique parc de Yosemite en Californie. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de Tone Factory. J'ai fait tomber mon nugget. J'ai essayé de montrer une technique de Kenji Girac, je suis pas arrivé.